Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien chez Microciné, la revue de cinéma et de télévision. À côté de moi, il y a plutôt comme ça, voilà, comme ça, Jules, le gardien, un des gardiens du cinéma, voilà, qui fait partie donc de cette chaîne. Je suis très content qu'il ait accepté mon invitation pour Fait Croquer. Comment vas-tu, Jules ? Bah, très bien, et toi ? Ça va, ça va, ça va. On s'est rencontrés au cours d'un live mythique. Chez Merej, et on s'est bien disputé gentiment et cinéphiliquement, et c'était assez agréable. Et la réponse que je pouvais faire à Jules, c'était de l'inviter pour un Fait Croquer, pour essayer de savoir un peu d'où il venait. Et j'en suis vraiment très content. Fait Croquer, c'est une émission dans laquelle je vais rencontrer celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet à leur manière. Donc ça peut être un blog, ça peut être un vlog, ça peut être une revue de cinéma en ligne, et ça peut être aussi une chaîne YouTube, Les Gardiens du Cinéma. Et Jules en fait partie, et un groupe, vous êtes quatre, je crois, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Vous êtes tous une entité, enfin, vous êtes chacun une entité avec un caractère, une cinéphilie assez débordante de joie, de vitalité. Mais vous représentez un groupe, c'est les Gardiens du Cinéma. Et on parlera bien évidemment de ça, de comment ça s'est créé, puis comment tu les as rejoints, etc. Mais avant cela, j'aimerais te poser cette première question que je pose à tout le monde. L'image marquante. Est-ce que tu as une image marquante, et si oui, quelle serait cette image? Déjà, merci de m'avoir invité. Franchement, c'est un plaisir. Et puis première image, elle est. Attends, merde. Voilà. Pardon pour le gros mot. C'est Star Wars. Moi, c'est avec ça que j'ai grandi. Alors, je me rappelle de mon premier cadeau, qui était une VHS de Toy Story. Je me rappelle pas du film pour le coup, mais je sais que c'était ça le premier film que j'ai vu. Et après, j'ai découvert Star Wars vers l'âge de 4 ou 5 ans. Et l'image dont je me souviens et qui reste aujourd'hui, c'est celle de Luke Skywalker regardant les soleils se coucher sur Tatooine. Ça, c'est une image qui m'a pleinement marqué, parce que quand t'es jeune, quand t'es petit, t'as ce désir d'aventure. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti pleinement à ce moment-là. Voilà. Et puis, c'est une image que je considère toujours très forte aussi, parce qu'elle inspire par la mastriade dans laquelle elle est amenée, on va dire. Je trouve que c'est une image assez puissante, parce qu'elle elle met en avant tout le sens classique de la mise en scène de Lucas. C'est-à-dire qu'en ça, on retrouve l'influence de la peinture, notamment du romantisme allemand. Et on ressent donc les émotions du personnage avec lequel on est totalement en empathie, puisqu'on a le même désir d'horizon, d'aventure. Et on ressent la même chose lorsqu'on regarde le film, et même aussi dans notre propre vie, lorsqu'on est jeune et qu'on a envie de faire ses preuves, on va dire. Voilà. Est-ce que la cinéphilie, pour toi, aujourd'hui, elle a un sens ? Oui, elle a complètement un sens. Moi, franchement, c'est un peu le truc cliché, hein, mais moi, le cinéma, c'est vraiment le truc de ma vie. On va dire que j'ai grandi, j'avais pas d'amis, tout ça, quand j'étais petit. Vraiment, j'étais très solitaire. Et donc le cinéma, ça a été pour moi une manière de me connaître, de connaître les autres, et de vivre, tout simplement, parce que j'avais pas cette vie, enfin cette sociabilité avec les autres. Donc j'ai appris le monde à travers les films. Mais c'est pas trop dangereux parfois d'être abreuvé par un trop-plein d'images qui donc font partie de la fiction, et qui vont contredire le réel dans lequel tu vis, ton quotidien? C'est pas trop dangereux, ça? Non, parce que je suis aussi observateur. Donc, même si je n'entrais pas en relation avec les autres, ou en tout cas que j'en avais des mauvaises plutôt, je savais observer le comportement et la manière d'être des autres. Donc j'avais ce double regard entre cinéma et voyeurisme. Le cinéma, est-ce que le cinéma t'a promis quelque chose qui finalement a réussi à tenir ses promesses, c'est-à-dire une société, voire un monde dans lequel t'inquiète pas, tu existeras?
Absolument, absolument, c'est exactement ça. Le cinéma, c'est quelque chose de d'immense dans lequel tu te plonges et qui ne cesse de t'apprendre. C'est-à-dire que tu peux découvrir tout avec le cinéma. Alors, par exemple, tu regardes, je sais pas, Les Raisins de la colère de Ford et tu comprends ces États-Unis-là. Tu vis à l'intérieur d'elles. Et c'est Robert Altman qui dit le cinéma te permet de vivre beaucoup de vie. Et c'est ça qui m'intéresse. Enfin, je sais pas ça exactement, mais c'est tu peux vivre la vie d'autres personnes. C'est ça l'art, c'est de pouvoir se projeter dans la vie d'autres, tout simplement. On dit souvent que la télévision est un reflet de la vie, on dit souvent que c'est passé la télévision, donc ça ne peut être que vrai. Est-ce que y a réellement en toi ce désir du vrai plutôt à travers le cinéma qu'à travers la télévision? Oui. Absolument, absolument, et notamment, attends, excuse-moi, Je t'en prie, je t'en prie. excuse-moi, hop, 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 voilà. C'est bien de se faire malmener par le réel parfois, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais pas coupé les notifications pour attendre la tienne, justement. J'en ai une, ça m'a déconcentré. Hop, je coupe tout ça, comme ça je suis tranquille. Ouais, alors, le cinéma, la télévision, toc toc toc, oui, le désir de réel, enfin de vérité à travers le cinéma, absolument, et notamment par la mise en scène. Moi, je me suis rendu compte, en fait, enfin, au début, quand tu es petit, tu réfléchis pas trop à ce que tu vois, à ce que tu regardes, et quand tu réfléchis un peu, et tu te rends compte, en fait, qu'il y a un point de vue sur ce qui se passe, sur les événements. Et en ça, ben, ça m'a fait découvrir comment dire, une forme de vérité. Parce que je me suis dit, en fait, c'est chaque événement, chaque chose qui se déroule, en fait, mais c'est de l'ordre du point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité universelle, une vérité omnisciente. En fait, il va y avoir un nombre de vérités infinies, enfin infinies, en tout cas, le nombre de personnes qui vivent l'événement, qui le voient, qui le ressentent. Et c'est ça qui m'a fait amener vers une certaine forme de vérité à travers le cinéma. C'est marrant que tu dis ça parce que il y a un film que toi et moi nous aimons beaucoup, tu en avais parlé lors du live avec Meresh, c'est L'homme qui tua Liberty Valance. Absolument. Et à la fin de L'homme qui tua Liberty Valance, il y a cette fameuse phrase dans laquelle le journaliste dit à James Stewart, entre la réalité et la légende, je préfère imprimer la légende. Qu'est-ce que je fais de ce que tu viens de me dire sur la vérité avec la phrase fordienne qu'il faut imprimer la légende? Je fais quoi, moi? Mais ce qui est marrant, c'est que Ford, en même temps, il propose les deux visions. Il les confronte. Donc c'est ça qui est intéressant dans le cinéma. Quand il y en a un cinéaste ou une cinéaste qui va nous présenter une vision, il y en aura un autre pour le contrarier. Et c'est ça qui est passionnant. Quels ont été tes premiers passeurs? Mes premiers passeurs, je pense que ce sont mes parents. Ils sont pas cinéphiles, mais qui m'ont amené à regarder des films de tout horizon, ou du moins en tout cas qui mettaient en avant plusieurs points de vue. Et après, je pense que vraiment les premiers passeurs de cinéma, on va dire très sérieux, ça a été mes professeurs au lycée. J'ai fait une option, une spécialité cinéma, notamment. Et aussi en philosophie, on a pas mal étudié le cinéma. Et c'est vrai qu'avec eux, c'est là où j'ai découvert que le cinéma, ben, ça pouvait aller plus loin que ce que je pensais et ça pouvait m'ouvrir des portes aussi. Pardon de revenir sur l'aspect de tes parents, ils te montraient des films, mais est-ce que les deux te montraient le même type de film ou chacun avait sa spécificité? Non, c'est plutôt commun. C'est plutôt commun. Alors évidemment, il y avait des films que l'un ou l'autre préférait, mais c'était quand même non, non, c'était plutôt commun. D'accord. Et donc tu me disais que et donc dans ton enfance, voire un peu l'adolescence, tu n'avais pas cette particularité, comment dire, cette occasion de pouvoir discuter des films avec tes potes ou je ne sais quoi. Tu me disais que tu étais Non. un peu solitaire, donc tu n'étais Ah oui, pas absolument. donc t'arrivais, il n'y avait pas des moments où tu parlais beaucoup, tu partageais. Donc et ça, c'est arrivé au lycée, j'imagine. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais avant, je parlais pas, même, tout court. Enfin, je parlais beaucoup avec les adultes, mais jamais avec des enfants. Donc, après, à partir du moment où ma parole s'est libérée, mais j'ai plus jamais arrêté de parler. Tu n'as plus jamais arrêté de parler. Et ça, c'est grâce, j'imagine, au cinéma.
C'est le Ah sixième acte. oui, absolument. Absolument. Et c'est quoi le film ou les quelques films qui, à un moment, t'ont effectivement poussé à te dire, bon, le cinéma, c'est vraiment autre chose, et ça peut être aussi ça, et ça m'intéresse ça. Mais déjà, dès le début, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial, je pense, parce que j'étais déjà transporté par ce que je voyais, et ça me, je sais pas, mais ça me faisait changer. C'est-à-dire que quand j'étais en dehors des films, j'étais très dissipé, etc. J'arrivais à me concentrer sur rien du tout. Dès qu'il y avait un film, j'étais vraiment à fond dedans, mais vraiment à fond. Et puis j'ai toujours eu cette curiosité quasi maladive. Moi, j'ai besoin de tout le temps savoir, de connaître des choses. C'est très important. Enfin, je vis que pour ça. Mais après, pour des films qui m'ont vraiment amené à penser le cinéma. Je pense qu'il y a déjà eu les Demoiselles de Rochefort. Parce que tu as une vision des. Comment dire? Notamment quand tu essayes de te construire en tant que personne, tu as ton identité. Tu te dis. Enfin, tu as une manière de voir les choses, de te faire paraître face aux autres. Et tu te dis, Les Demoiselles de Rochefort, quand tu as 15-16 ans, tu te dis, c'est un film de filles. Voilà, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Eh bien, je me suis bien trompé. Je regarde le film, j'ai été bouleversé et en plus j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, vraiment, j'étais subjugué par ce que je voyais. Et là, il y a eu un passage déjà. Je me dis, ah ouais, le cinéma, le film, il a réussi à me changer, il a réussi à me faire évoluer. Je pense que ça, déjà, c'était un premier pas. Et au lycée, tu rencontres donc qui vont être quelques passeurs. C'est quel cours tu faisais quel cours de on t'enseignait quel cours exactement de cinéma quand tu étais au lycée? C'était plutôt généraliste. Ouais. Après, il y avait de l'histoire du cinéma global, et après, beaucoup d'analyse de séquences et de films. Toutes ces bases. Et cette théorie-là, est-ce qu'elle t'ennuyait ou au contraire, ça te passionnait? Ah ouais, non, non, ça me passionnait. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler des films. C'est ça qui m'a. Ça, j'étais fou, en fait. Je me disais, mais waouh, il y a un monde que tu découvres. Et après le lycée, tu fais quoi? Après le lycée, je fais une fac de cinéma. Donc je continue là-dedans. C'est assez marrant hein, parce que le cinéma, il a failli me passer sous le nez. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais au début du lycée, en seconde. Et à la base, moi, parce que j'ai eu pas mal de problèmes scolaires, j'étais pas loin de l'échec. Et donc, je me dirigeais vers des études plutôt dans le domaine de la santé. Je voulais devenir coach sportif. Et il y a mon prof d'anglais, de philo, qui me disent mais pourquoi tu viendrais pas faire des études littéraires? En plus, on ouvre une spécialité cinéma et c'est ton truc, le cinéma, pour de vrai. Ben moi, je fais bon, ben d'accord. Donc, à un jour près, en fait, je me retrouve dans le cinéma. Voilà, comme ça. Et donc, après le lycée, je me dirige vers la fac. Puis j'ai continué à étudier les films de manière très théorique, surtout. Sur l'indiscrétion, tu vis où exactement? Je suis à Montpellier, comme enfin les gardiens, on est quasiment tous à Montpellier. Donc c'était la fac de Montpellier alors. Ouais, c'est ça exactement, la fac de D'accord. Gardes. Et quand tu te retrouves comme ça dans un endroit où on parle, on respire, on vit que de cinéma, on va se disputer, voire se casser la gueule parce que un tel a dit une connerie sur un aspect cinématographique, quelque chose d'extraordinairement surréaliste. Là, tu te dis, c'est bon, je suis heureux Ouais, quoi. C'est le je suis dans mon paradis. monde, c'est ça. Ouais. Et encore, c'était pas suffisant. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manquait? Moi, il m'en fallait plus. Moi, j'ai besoin comment dire, d'être, je sais pas comment expliquer, mais que stimuler, voilà, c'est ça le mot. J'ai besoin d'une stimulation par rapport au cinéma et avec les gens à qui je parle. Moi, en fait, ce que je recherche vraiment, ce sont des gens enfin, des personnes qui peuvent vraiment m'apporter, à dire, même des personnes que je considère meilleures que moi. Enfin, en tout cas, qui ont beaucoup plus de connaissances, ont un regard que je trouve passionnant et qui peuvent donc m'apporter, me nourrir. Et encore, même à la fac, j'ai pas réussi, je trouve, assez à avoir ça. J'ai rencontré des personnes évidemment qui m'ont complètement apporté, mais je suis toujours en quête de ça. Enfin, je suis, comment dire, assoiffé, on va dire. Tu es très exigeant. Ouais, je suis très exigeant, mais surtout avec moi-même, plus qu'avec les autres d'ailleurs.
Comment tu réagis lorsque tu te trouves face à quelqu'un, allez, parlons de cela, lorsque tu trouves un quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui aime le cinéma, etc., etc., mais tu sens, parce que toi tu es très exigeant aussi, que cette personne-là a beaucoup de lacunes dans les connaissances cinématographiques. Comment tu peux réagir? Tu seras conciliant ou il y aura quelque chose en toi qui te dira non, non, c'est pas possible, ça ne peut pas être possible, on ne peut pas accepter ça. Non, je pense que c'est une question de la démarche, parce que je suis tolérant lorsqu'il y a comment dire, une envie, on va dire une innocence, vraiment cette envie de découverte. Quand il y a ça me dérange pas. Par exemple, par contre, lorsqu'on est dans le, comment dire, dans la complaisance, dans le, comment dire, quand on est poseur un peu, qu'on pense Ouais. savoir. Là, par contre, ça me met enfin, en colère. C'est un grand mot, on me met pas trop en colère, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Là, je me dis, enfin, tu sers pas à grand-chose. Donc tout ce qui est joute verbale, les mauvaises fois, avoir des doutes, s'énerver, tout ça, c'est juste le paradis pour toi. Bref, non, non, mais j'aime bien le calme, là. Voilà, mais ouais, j'aime les. J'aime aussi la provocation, voilà, la joute, ouais, comme tu dis. C'est À la sûr. fac, tu étudies le cinéma, plusieurs aspects du cinéma, théorie, etc., plusieurs aussi géographies du cinéma, Absolument. voilà. Et est-ce que à ce moment-là, tu réussis à... Ah, tu m'avais dit, tu as un peu répondu à la question en disant que tu n'avais pas trouvé beaucoup de personnes, peut-être, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu as réussi, enfin, est-ce que vous étiez quand même un groupe? Généralement, Absolument. quand... Voilà. Ah oui, ah, j'ai trouvé des personnes formidables et ce sont des personnes avec qui aujourd'hui je travaille aussi. Certains sont restés à la fac, d'autres non, mais ouais, c'est un groupe que je me suis bien constitué avec qui on a beaucoup échangé. Et est-ce que tu t'es lancé dans l'expérience rédactionnelle? Parce qu'à un moment, à force d'aimer, de parler, il y en a certains qui disent, tiens, pourquoi ne pas écrire aussi, théoriser? Est-ce que ça, tu t'es lancé là-dedans? Non, pas vraiment, pas vraiment. Peut-être que j'avais pas les personnes autour aussi qui m'ont poussé vers ce domaine-là, mais non. Après, j'ai rencontré Sylvain, et c'est là que là j'ai eu ce désir de partager. Je l'ai toujours eu, mais j'aimais bien le faire en vrai. Quelqu'un qui m'amène à parler de cinéma et je lui parle, mais j'avais jamais pensé à faire quelque chose de rédactionnel en tout cas. Ouais, on va dire. Et tu as rencontré Sylvain pendant que tu étais à la fac ou tout de suite après? Non, 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 à la fac, en sortant d'un cours, je l'ai vu dans la rue, il est moniteur d'auto-école, je le vois Ouais. sortir, enfin, je le vois aller à sa voiture, et j'avais vu une de ses vidéos, et je lui demande si c'est lui, il me dit oui, et à partir de là, ben, on s'est revus, notamment pour rencontre abonnée, et puis au bout d'un moment, il m'a proposé de faire une émission, j'ai accepté, et puis il y avait Franck et Marine, et voilà. C'était quand ça? C'était en quelle année? C'était en 2019. Donc tu fais partie donc des gardiens du cinéma depuis plus de 3 ans, peu, 3-4 ans. 2 ans plus. 2 ans, pardon, 2 ans et demi, Oui. quelque chose comme ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a plu aussi d'être avec eux? Il y avait quoi? Bah, une manière de penser totalement différente de la mienne chez chaque personne. Il y avait le regard le plus proche, c'est celui de Marine, parce qu'elle avait quand même une carrière académique. Elle avait fait l'université comme moi. Mais en même temps, il y avait Sylvain et Franck qui, eux, sont autodidactes et qui ont leur culture comme tout un chacun. Enfin, ils aiment le cinéma, ils ont appris par eux-mêmes. Et ça m'a intéressé d'échanger avec des personnes qui étaient différentes. Mais c'est pas toujours évident d'être en groupe lorsqu'on crée une chaîne ou qu'on crée même une rédaction, d'être en groupe, il faut gérer les égos et des choses comme ça. Comment ça s'est passé, toi, lorsque tu rentrais dans les gardiens du cinéma? En plus, c'était une première expérience de groupe, si j'ai bien compris. Ouais. Enfin, ça a fait une partie en Rédactionnel. tout cas. Oui, absolument. Ça s'est bien passé parce que tout le monde est vraiment bienveillant, je pense, déjà, première chose. Après, c'est sûr qu'on a chacun a un ego, un certain ego, notamment moi, qui s'est bien adouci au fil du temps. Mais ouais, ça a été un peu, enfin, comment dire, ça s'est très bien passé, mais on a su chacun se canaliser
Et en même temps, on a tous été dirigés aussi par Sylvain qui avait cette expérience de YouTube et qui nous a dit, enfin, qui nous a montré le chemin à suivre par moment aussi. J'imagine que quand on est dans un groupe, que ce soit un groupe rédactionnel, on a plus ou moins un rôle qui n'est pas forcément défini. Et là, pour l'occurrence, quand on est dans une rédaction, il y en a un qui est spécialisé de tel cinéma, l'autre de tel cinéma. Toi, c'est quoi le rôle, si tu devais le résumer, que tu occupes chez les gardiens du cinéma? Bah, moi, je pense que j'aurais plus ce rôle d'analyste. Moi, j'aime décrypter. Voilà, et c'est plutôt ce que je fais. Je suis pas le plus productif sur la chaîne en nombre de vidéos, mais dès que je suis là, j'essaye d'amener cette touche, on va dire. D'accord. Alors, question sur la chaîne que je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette chaîne? Pourquoi cette chaîne? Pourquoi cette chaîne? C'est Sylvain qui, en 2016, si je ne m'abuse, crée cette chaîne dans le but de partager sa passion, parce que lui, dans son entourage, il a personne pour parler de cinéma. D'accord. Donc, il crée cette chaîne, notamment animé d'une passion pour le support physique, Oui, le qu'il a dé, d'accord. toujours et qu'on a toujours aussi. On a fait beaucoup de choses là-dessus. Et donc pendant 3 ans, il développe sa chaîne. Il a envie de partager. Vraiment, ça c'est le mot, je pense, à retenir pour la chaîne. Désir comment dire, d'échanger avec les autres. Dès le début, il y avait cette forme de, comment dire, d'aspect communautaire qui se crée avec les abonnés, avec les autres youtubeurs, que ce soit avec la rencontre abonnée ou les feats, si je puis dire. Et après, donc, on se rencontre, c'est ce que je viens de raconter avec l'émission Cinémood, donc une émission dans laquelle on partage un coup de cœur, un coup de gueule. Et donc, à partir de là, Sylvain nous a demandé de venir sur la chaîne. Enfin, en tout cas, il nous a proposé parce que lui, il avait une sorte de... Enfin, il était arrivé au bout de ce qu'il avait fait. Il avait plus le... Enfin, il a dit tout seul, c'est plus pour moi. Mais à plusieurs, je suis prêt et je pense qu'ensemble, on fera une bonne équipe. Et ce qui est marrant, c'est que je connaissais pas du tout Marine et Franck quand je suis arrivé sur la chaîne. Donc on s'est aussi rencontrés par ce prisme-là. Donc c'était assez marrant de voir au début de tâtonner pour voir comment être avec ces personnes, voilà, comment échanger. Surtout que quand on les connaît, c'est quand même des personnes qui ont de vraies identités. Oui, quand on est, oui, c'est vrai, quand on voit ça dans les vidéos qu'on voit dans les gardes. Oui, ça, effectivement. Alors, pardon, je suis un peu ignorant, mais tu parlais de rencontres abonnées et de feats. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, les rencontres abonnées, c'est, on va dire, plus ou moins une fois par an. Sylvain organise, enfin organisé, parce qu'avec le Covid, compliqué, organisait donc des rencontres où il invitait des youtubeurs cinéma et donc il faisait venir des abonnés dans une salle qu'il louait. Et voilà, il y avait des activités, des discussions. Ça permettait aussi de se rencontrer en vrai et de casser la barrière du virtuel. Et pour ce qui est des feats, ben c'est comme ce qu'on fait actuellement, on va dire. C'est un échange sur Internet avec ou en vrai avec d'autres youtubeurs. D'ailleurs, pour le coup, j'aimerais bien poser la question, même si c'est Sylvain qui a animé les. Alors, comment ça s'appelle l'instant vérité ou l'émission Bah, vérité? Je ne... interview vérité. Interview vérité. J'aurais voulu savoir d'où s'est née ça, cette idée, cette envie d'aller rencontrer comme ça certaines personnes qui ont quand même des caractères très trempés. Hein. Si on commence à regarder un petit peu, à trouver un point commun entre toutes ces personnes-là, c'est vraiment des caractères assez forts. Et d'où c'est venu cette idée-là? Bah, c'est toujours dans la même veine que ce que l'on fait sur la chaîne. C'est-à-dire toujours cette envie de connaître et de partager la passion du cinéma. Et donc de connaître, pareil que ce que tu fais un peu actuellement, de connaître ceux qui font la critique sur YouTube, tout simplement. Et de se questionner aussi, parce que les interviews vérité, elles vont plus loin que... Enfin, on va dire, ça rentre plus dans le vif, ça va, on va dire, parfois même dans la provoque.
de se poser des questions sur le médium aussi dans lequel on se trouve. Et donc Oui, de voir c'est comment vrai. chaque personne agit par rapport à ça. Évidemment, écrire dans un journal, c'est pas la même chose que d'être sur YouTube. Voilà. Tu as utilisé le mot critique de cinéma, et quand on voit les interviews vérité de Sylvain, très souvent elles sont divisées en trois parties. C'est le cinéphile que tu es, que tu as été, que tu es, d'où vient ta cinéphilie, le youtubeur que tu es et les autres youtubeurs. Et très souvent, il est question de la légitimité de la critique. Est-ce que les youtubeurs sont des critiques de cinéma, ou alors est-ce que les youtubeurs ont la légitimité de parler de cinéma? Bon, la question elle est là, elle existe, les réponses sont là aussi, plus ou moins. Ça, c'est quelque chose qui ne t'a jamais traversé l'esprit, cette notion de légitimité. Si, si, si. Ouais, Moi, je te l'ai dit, je suis très exigeant avec moi-même et je me remets toujours en question. Moi, ce que j'essaye de comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est j'ai besoin d'être sincère et sincère dans le sens dans ce que je dis, de penser ce que je dis, mais aussi de sincère dans les connaissances que je transmets. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de transmettre quelque chose qui est faux, par exemple. Ou en tout cas de complètement barbariser, si je puis dire. barbarisé, c'est-à-dire. Je ne sais pas comment le. Ouais, je ne sais pas si c'était une bonne expression. En tout cas, qui était, on va dire, transformé. Ah, oui. Vulgarisé, enfin tellement Oui. vulgarisé que ça en devient faux, on va dire, entre guillemets. Ça trahit le propos de base. D'accord. Ça s'appelle les gamins du cinéma. Le cinéma est en danger? Ouais, c'est une question assez intéressante, la question des gardiens. À vrai dire, déjà, j'ai pas choisi le nom de la chaîne, hein, premièrement. J'imagine, oui. Mais la question n'est même pas là. Après, nous, c'est gardiens, je pense, non pas que le cinéma est un temple, quoique, mais je pense que c'est surtout gardien d'une certaine cinéphilie, aussi d'une exigence du cinéma. Et aussi de la manière dans laquelle on le regarde et non on le consomme. Toi qui es exigeant, qui es cinéphile, qui ne consomme pas les films, qui ne les considère pas comme des produits et qui essaie de voir un petit peu où peut aller le cinéma, comment tu peux expliquer que très souvent, quand on va sur YouTube par exemple, il y a parfois beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus de questionnements sur un certain cinéma et une certaine période du cinéma, et qui n'est pas forcément d'ouverture sur tout. Parfois, on a tendance même à oublier que le cinéma a pu exister dans les années 30 et qu'il était aussi présent en Égypte, par exemple. Comment on peut expliquer ça? Je pense que déjà il y a plusieurs facteurs. Il y en a un, c'est qu'il y a aussi un désir de starification pour beaucoup de gens, je pense. Il y a des gens qui ont envie d'être populaires, donc ils vont parler des choses qui font parler. Bon, on va clairement se le dire, un film des années 20 ou des années 30, ça fait pas cliquer, D'accord. je pense. Après, sans jugement, hein, franchement, ce que je dis là, c'est vraiment. Je comprends aussi ces gens, surtout actuellement, c'est d'avoir ce genre de désir, je le comprends, même si je le cautionne pas spécialement, je le comprends. Et après, je pense qu'aussi, il y a. Comment dire. Et pas dans le désir de starification, il y a ce désir aussi de rencontre, de partage. Et il y en a qui, même s'ils n'ont pas une grande culture, ils ont envie de rencontrer d'autres personnes. Et ils aiment un cinéma qui est le plus représenté, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas fait le travail de recherche ou qu'ils n'ont pas eu aussi les précepteurs que certains ont pu avoir aussi. On n'a pas tous le même accès à la culture, faut le reconnaître, mais même si aujourd'hui ça devient de plus en plus simple et qu'il y a de moins en moins d'excuses, il y a quand même, à la base, je pense, une passion qui doit être transmise par d'autres personnes, je pense, pour avoir cette envie de découvrir un cinéma qui n'est pas le cinéma majoritaire ou celui
qui est en tout cas le plus représenté. Et après, ben, je pense qu'aussi, il y a on va dire, un autre facteur, il doit en avoir d'autres, mais je n'y pense pas, ça doit être aussi tout simplement la curiosité. La curiosité et aussi ben, l'amour qu'on peut avoir pour le cinéma. Il y en a qui sont, on va dire, moins exigeants et qui ont moins de passion pour le cinéma. Et ce n'est pas quelque chose que je critique, bien au contraire, c'est qu'il y a des gens qui veulent juste passer du bon temps, il y en a d'autres qui recherchent des réponses dans le cinéma. Moi, je fais partie de ces gens-là qui cherchent des réponses. Le cinéma, pour moi, c'est très sérieux, mais je sais que pour d'autres, ça l'est moins. Donc, obligatoirement, mais il y en a qui vont, on va dire, qui vont aller chercher moins loin, tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie de faire à partir d'aujourd'hui avec les gardiens du cinéma? Quel genre d'émission tu voudrais créer, leur proposer? Je sais pas, moi je suis souvent, on va dire, au jour le jour. C'est-à-dire que, il y a des moments où je vais avoir envie de faire des vidéos d'analyse, comme ce que j'avais pu faire sur David Lynch, par exemple. J'aime parler des cinéastes, parce que moi j'ai cette profonde conviction, comment dire, de l'importance du cinéaste, du regard du metteur en scène. En ça, bah, j'ai. On va dire, suivi cette fameuse politique des auteurs, des cahiers, d'une certaine manière, même si je n'hésite pas à la transgresser, on va dire, enfin, en tout cas, à en dire le contraire parfois, j'y crois en grande partie. Mais sinon, après, tout type d'émission, tant que je peux échanger, moi, ce que j'aime surtout, c'est de parler avec les autres, comme ce que tu fais sur ta chaîne, c'est pour ça que ça m'a intéressé de venir aujourd'hui. C'est de vraiment d'échanger avec d'autres personnes parce que je crois que la discussion amène beaucoup plus loin que la réflexion seule qui finit par, je pense, être stérile. Je peux parler d'un réalisateur, mais j'irai jamais aussi loin que si je parle avec quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce qui fait que moi, toutes mes émissions, on est toujours deux, au moins, minimum. Je ne peux pas concevoir le fait. Enfin, je peux. Enfin, c'est le dialogue, quoi. Il faut un. En fait, c'est ça. Toi, tu es plus sur le dialogue. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des cinéastes, comment dire, que tu aimerais bien approcher dans l'analyse, hein, dans la. Mais voilà, des grands pontes que tu voudrais bien. Approcher, décortiquer, en faire des émissions, et pour l'instant tu te mets pas trop de pression, tu attends. Ouais, voilà. Bah, évidemment, j'aimerais m'occuper de Brian De Palma pour tout ce qu'il m'a apporté. Évidemment. C'est un immense cinéaste que je pense n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, même s'il est quand même très plébiscité aujourd'hui, que ce soit par exemple sa place à la Cinémathèque française où il a pu venir, les différentes expositions, les récompenses qu'il a pu avoir. Mais je pense que c'est encore un cinéaste qui est pas assez mis en avant. Après, comme beaucoup de personnes qui aiment le cinéma et aussi de jeunes cinéphiles, j'aime le cinéma des années 70, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et il y a des cinéastes que je trouve, on va dire, pour ce qui est du cadre du grand public, sont pas encore assez mis en avant. Je pense par exemple à Dario Argento, moi que j'aime beaucoup, même tous ces cinéastes italiens de cette époque-là, par exemple Mario Bava ou Sergio Martino, ou Corbucci encore, des cinéastes que j'aime beaucoup et sur lesquels j'aimerais bien échanger. Mais bon, pareil, question d'envie, de moment et aussi de visionnage, parce que c'est au moment où je regarde les films que je me dis, ah ouais, c'est le moment pour faire une vidéo. Et évidemment aussi, j'aimerais parler de John Ford. Moi, beaucoup, ça m'intéresserait énormément. Wow, le Mais mec il a ça, fait je sais 100. pas. Voilà, je sais pas comment l'aborder, John Ford. Enfin, en fait, c'est aussi mon problème quand je veux faire des vidéos, et c'est pour ça que j'en fais peu aussi. C'est que j'ai toujours ce désir d'exhaustivité, ce qui est totalement impossible. Mais on parlait de légitimité tout à l'heure, et moi, dès que j'oublie quelque chose, je me sens pas légitime, en fait. Et pourtant, j'en oublie. C'est comme ça, c'est obligé. Je ne pourrais pas parler de tout sur un cinéaste ou sur une époque, sur un courant, un mouvement, etc. Mais j'ai quand même toujours cette exigence qui est parfois
trop importante, faut le dire, mais je l'ai toujours et c'est pour ça que aussi des fois je me bloque sur mes productions, on va dire. Est-ce que tu as fait des vidéos sur Star Wars? Non, jamais. Enfin, à part la critique de Star Wars 9 avec Sylvain, sinon, non, jamais. On avait eu cette idée qu'on n'a jamais vraiment concrétisée, c'était de faire une vidéo sur la postologie, parce que nous, on la défendait plutôt, on va dire. Enfin, en tout cas, on défendait ça, comment dire, par rapport à ce qu'elle était. On défendait le. En tout cas, on était contre la majorité des critiques qui étaient faites. Et je le suis toujours, d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est quand même comment dire, dans le haut du panier des blockbusters hollywoodiens actuels. Donc je voulais quand même les défendre. Enfin, on voulait les défendre, mais on n'a pas passé le pas. Après, à part ça, Star Wars, parfois j'aime aussi ne pas en parler. Parce que c'est tellement quelque chose qui a pris de mon temps que j'aime aussi aller vers d'autres horizons. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi parler d'autres cinémas. Parce que le cinéma américain, sans être exhaustif, je connais en bonne partie. En tout cas, j'ai plutôt globalement, même si y a des lacunes, évidemment. J'aimerais plus me diriger vers. Enfin, je me dirige vers d'autres cinémas. Voilà. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et de plus en plus, j'ai envie de faire découvrir aux gens des réalisateurs. Soit méconnus, soit d'autres nationalités plus connues, mais qui méritent encore d'être mis en avant. Je pense notamment à Fassbinder, donc un réalisateur que j'aimerais beaucoup faire découvrir, que je trouve absolument immense, mais pareil que John Ford, comment tu évoques ce genre de mec? Je ne sais pas. Il a une œuvre foisonnante aussi, hein, Ouais, Fassbinder. pour son âge, bah, il est mort jeune quand même, Exactement. et le mec l'a pas arrêté. C'est impressionnant. Et tu te sens pas l'envie de faire une vidéo spéciale sur ton image marquante, le plan, ce plan-là, dont tu dis juste ce plan-là, Oui, juste ce peut-être. plan-là. Non, mais ça peut être une bonne idée. Je pense que je pourrais en tirer beaucoup de choses. Mais peut-être, peut-être, je sais pas. Je sais. Si le cinéma n'avait pas existé, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, j'aurais creusé ma tombe. Non, je sais pas. Ouais, non, mais franchement, je sais pas. Parce que je suis pas très bon dans beaucoup de choses, on va dire, je trouve. Je sais pas, je pense que le cinéma c'est mon truc. Après, j'aurais fait quelque chose d'intellectuel, je pense plutôt, parce que je ne suis pas très manuel. On peut se le dire, je suis assez maladroit. Et on va dire, je pense, on va dire, moi, plein de choses simples sont complexes pour moi. Voilà. Donc, je pense que, ouais, une activité intellectuelle. Après, je pense que s'il y avait un métier que je ferais si je deviens pas réalisateur, parce qu'actuellement je suis assistant réalisateur, mais je ne sais pas si je veux faire ça toute ma vie, serait enseignant. J'ai aussi ce désir de partage, pareil qu'avec la chaîne, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi d'enseigner, évidemment le cinéma, mais pourquoi pas d'autres matières, on va dire. Discipline, même si le cinéma, je ne pourrais pas le qualifier de discipline, je pense. Tu es premier assistant réalisateur, tu travailles Non, dans je ce suis pas sens. premier encore. Non, non, Tu n'es non. pas encore premier. Non, non, non. D'accord. Il y a encore du chemin. Ça fait. Là, je suis bientôt à ma deuxième année d'intermittence. Donc, je D'accord. débute. Je débute. Ok. Bon. J'ai que 22 ans, hein, je me rappelle. Mais c'est pas Hein. possible ça. Je pense que tu en avais 35. Tu parles de Fassbinder, tu dois en avoir 35. C'est pas possible. Le cliché. Bon, bah écoute, en tout cas pour moi c'est bon. C'est bon pour moi. Bon. Donc, ouais. Et je vais avoir l'outrecuidance de mettre le lien de cette chaîne méconnue qui s'appelle Les Gardiens du Cinéma sur la page dédiée à cette émission. Et en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi et Ah, de carrément. voir un peu d'où tu venais, de comprendre aussi ton exigence de cinéphile extrémiste. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais un pote, je sais pas s'il faut que je le dise, mais qui m'appelait le nazi du cinéma à une époque. Ah ouais, quand C'était même. pour dire, mais je me suis carrément adouci. Mais avant, j'étais très très radical. Là aujourd'hui, je me suis quand même adouci. Je pense que ça se voit. Je suis ouvert aux autres, tout ça. Mais il y avait une La époque où preuve. c'était vraiment.
La preuve, tu as accepté Catégorique. tu as accepté cette épi de faire partie de fait croquer Ouais. une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Jules, des Gardiens du Cinéma, et puis j'espère qu'on Merci à aura toi. l'occasion de se revoir chez toi, chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Ah On dit ben je ça n'en comme doute ça. pas. Je n'en doute pas. Très bonne journée à toi. Salut. Ouais, salut. Good companions, just my rifle, pony, and me.